La CIA Ajaccio 14e accueille Nancy 18e. Benjamin André titulaire avec l'équipe corse. Côté nancéen, Moukandjo, Bakar et Aloé Foulou sont présents pour marquer des buts. Nancy relégable, mais qui est en train de redresser la tête de manière spectaculaire. Les Lorrains restent sur 3 victoires consécutives, 100 buts encaissés. Ils espèrent continuer la série en Corse. La CIA Ajaccio, qui n'a gagné qu'une seule de ses 7 dernières rencontres, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Ajaccio privé de Bégéorgi, Belgazouani et Paul Lannes suspendus. Ricardo Fati est blessé et ce jusqu'à la fin de la saison. C'est une lourde perte pour les Ajacciens. L'ouverture du score est nancéenne. 5 minutes suffisent à Paul Aloé Foulou pour marquer ce but hyper important, bien lancé par Jamel Bakar. Deuxième but de la saison pour le Camerounais. Nancy mène rapidement à 0 et Ajaccio se rebelle la minute suivante avec ce centre et la reprise de la tête d'Adrian Moutou. C'est sauvé par Damien Gregorini. Nouvelle possibilité sur le corner avec une deuxième chance pour Johan Cavalli. Le centre est bon, la reprise de la tête et l'égalisation à un partout. La tête de Mehdi Mostefa, la passe décisive pour Cavalli et le but de l'international algérien Mostefa. La 7e minute, déjà un but partout entre les deux équipes. Deuxième but de la saison pour Mostefa. Ajaccio qui insiste et Gregorini très menacé. Il sauve son équipe en ce moment. Une reprise à bout portant, toujours Moutou, très dangereux. À la pause, un but partout entre les deux équipes. Nancy est privé de Thomas Ayas, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Les Lorrains sont pourtant en train d'obtenir un bon point à l'extérieur. Nancy qui a gagné 4 de ses 5 dernières rencontres. À ce rythme-là, les Lorrains ont de bonnes chances de rester en Ligue 1. Et ils espèrent mieux que le match nul avec cette petite occasion en seconde période. Mais la sortie de Memo Ochoa met un terme à l'espoir lorrain. La réponse corse dans la surface de réparation. La reprise et c'est sur le poteau. Étonnante action de Moutou, très malin pour dévier ce ballon. Gregorini était pris à contre-pied. Nancy n'a jamais gagné à Ajaccio en Ligue 1 ou en Ligue 2. Des Lorrains qui sont contents du point du nul car Ajaccio domine dans la fin de la partie. Quelques contre-attaques pour Nancy avec ce ballon en retrait. La frappe et c'est sauvé par Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain fait le travail. Il est bon en ce moment même si son équipe est en perte de vitesse. Une victoire sur les 7 derniers matchs. Encore une opportunité pour arracher les 3 points de la victoire. Mais toujours Gregorini. Les gardiens se sont bien illustrés dans ce match. Un but partout au final et le bon point à l'extérieur pour Nancy qui reste tout de même relégable.